Voilà, une nouvelle plutôt. C'est pas grave. Déjà, je me sens bien plus à l'aise sur le circuit. Et puis là, bizarrement, la difficulté de l'IA, alors qu'on l'a remis à son niveau normal, c'est plutôt. Elle est pas méchante.
c'est une. Allez, celle-là au moins, ça a été fait du premier coup. Ça change de l'habitude. Oh bah oui, la Bonusaka pour finir, évidemment, la cerise sur le gâteau. Punaise. Terrible. Enfin. Bonjour. Allez, dernière course de cette compète et la dernière course des compétitions régionales. Eh oui. Allez. Fais la course au timing. Je me sens pas à l'aise. Je crois qu'on va devoir baisser la difficulté. Trop dur là la course. Vous voyez, il n'y a aucune logique. On passe d'une course super cool à une nouvelle course de merde infaisable. Bah mais freine pas. Bah freine pas. Désolé. Ne freine pas ce prix de voiture pourrie. Allez, hop, on abaisse. Stop! Je suis en train de m'énerver, on baisse. Allez, hop, désolé. La chiantiserie, c'est fini. Il y en a marre. Ah non, c'est... Cette compétition est horrible, le gameplay il est naze, injouable, injouable. Facile. Cette voiture n'aime pas les circuits où il faut ralentir, réaccélérer, ralentir, réaccélérer. Trop fort. C'est... Non. Encore Maple Valley où
Tu ralentis pas vraiment, enfin t'es toujours. Ouais, c'est un circuit rapide, ben ça va. Un circuit comme ça, non. Non, le gameplay est tellement mal fait que non, ça non. C'est injouable. Elle est en mode lunaire, pourquoi je sais pas, mais c'est injouable. C'est pas marrant, allez. Ça, mais non, non, ça c'est pas de la course de voiture. Non, non, désolé. Ça c'est la compétition de drift au Japon, aux États-Unis, si tu veux. Mais non, 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 désolé. Pathétique, pathétique. C'est pas ça le comportement de chez toi. Quelle année ça? 2006. J'aurais quand même pu prendre des leçons chez Air Factor. Ou la team de ceux qui ont fait GTR. C'est nul, c'est nul. Faire un effort sur le gameplay des voitures de course. Elles sont inconduisibles.
Désolé. Bon alors. Je fais du drift à faible allure. Oh. Ça c'est poubelle. Ça peut être des gens qui pensent que sur vous et qui font pas leur boulot. Ah, un truc comme ça, le jeu serait sorti en retard. Je dis non, 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 on va recommencer ce gameplay, c'est comme ça. Mmh.
Voiture de merde, va. Enfin, pas la voiture en elle-même, non, c'est malheureux. C'est une excellente voiture, c'est juste qu'elle est mal codée. Mal codée, mal codée, mal codée. Bon débarras, va. Mais quel bonheur, va. Allez, à dégager. À tout jamais. Ah là 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 là. Quelle horreur. Non, non, non. C'est horrible. Horrible. Alors, du coup, on a eu la panneau LMP1, ouais. Des sous, encore des sous. Ouais, elle est connue cette voiture. Voilà, on a fini les épreuves régionales. Maintenant, on va pouvoir terminer les épreuves, celles qui nous restent, hein. On a tout fini, hein. Voilà. S'il veut bien, voilà. Il nous reste plus qu'à finir les séries professionnelles et les courses d'endurance. Allons-y, courses professionnelles. On va donc maintenant faire de la classe B, puis à la classe A, la classe S, R4. Bah, de toute manière, ouais, bah, c'est toutes les classes les unes derrière les autres, quoi. Classe B. C'est quoi les adversaires? C'est vrai que si je m'intéresse un tout petit peu aux adversaires, Proto, Spira, Mustang Cobra R. C'est du 658, hein. Bien chef, allons-y. 650, 557. Parce que nous on a. Ah non, c'est 600, qu'est-ce que je raconte? On a une Shelby GT500. Ouais. Oh non, ça c'est. Non. Ouais, non. Non, quand même pas. La GT500, ça donne quoi? C'est ça, hein? C'est 6-6, 4-7, 4-1, ah, mais nous, notre version, elle est même boostée, en fait. Ouais, bon, on va prendre la Shelby. Hein. Allez. Oh putain, mais non, mais sérieux, arrêtez avec ces brins. Je peux plus, circuit, faut. Je peux plus là. Je peux plus. À cause du jeu, je peux plus le circuit de ces brins là. Non, non, stop, arrêtez. Hein. Arrêtez, ça suffit. D'accord, le sopalin qui veut prendre la poudre d'escampette. Bon, faut aussi que je remette la difficulté aussi. Aller sur ce putain de circuit, c'est vrai.
qu'il n'y a pas une méga diff, hein. Là, je crois que c'est 651, nous c'est 661. Là, mais... Oh, les freins, mais nom de Dieu, mais quel enfer, mais ils se sont donné le mot entre le 1 et le 2. Ça n'existe pas, il y a une voiture oui, une voiture non, une voiture oui, une voiture non. C'est nul. Mettre avant le panneau freiner. Enfin bon, avec la tranche des adversaires que je me coltine, j'avais pas trop le choix de prendre cette caisse. Hein. Allez, maintenant c'est le mouchon, on fait la mouche, c'est le mouchon. Ça suffit, oui. Ça suffit. Oh, oui, suppose le bouchon. Le problème est différent, il n'y a pas d'angle de braquage non plus. C'est un camion la voiture. Bon, après avec la tranche qu'elle a, magnifique, hein, très très jolie voiture, hein, je regarde. Hein. Mais oh là 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 là, ça tombe pas, ça tombe pas, ça freine pas. Limite, faudrait lui mettre les deux petits parachutes de Dragster là. Et à chaque freinage, tu... Oup là. Pas
500 mètres avant, ça ne freinera pas, hein. Je suis obligé de freiner avant le moment de freiner.
Mais va te faire foutre aussi! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais putain! Je me fais chier toute la course, j'arrive enfin au machin. Non, il faut qu'on fasse une connerie parce que la voiture m'échappe! Mais putain! Mais quelle bouse aussi! Mais sérieux, j'ai le don pour choisir les voitures pourraves, hein, aussi! Faut se poser des questions! J'ai le don pour choisir les bagnoles pourries. C'est pas possible. Hein. J'y crois pas. Hein. Non mais. Cette caisse à la con, c'est aussi pire que l'autre merde qui fait glisser comme un savon. En fait, il n'y a que ça dans le jeu. C'est soit t'as une bonne caisse, soit c'est du savon, ou alors un truc qui tourne pas et qui freine pas. Voilà. J'écrase le bouton littéralement. Je vais finir par le casser littéralement. Sérieux, freine un peu. Pas, moi, ouvre la portière, mais le pied, j'en sais rien, débrouille. Faut mettre des aérofreins. Oh là 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 là. Non, mais là, j'ai le chic pour choisir la voiture pourrie. Enfin, quand c'est voiture pourrie, c'est juste qu'elle est mal codée, malheureusement. J'espère qu'il n'y a pas déjà, soi-disant, des freins courts, parce que là, je rigole. Je rigole. C'est pas possible. Dis-moi que c'est les freins de série, c'est normal. Bon, d'accord, tu mets des freins courts, ça ira mieux. Mais dis pas que j'ai déjà mis ça et que ça fait rien. Ça va être l'hymne officiel de certaines de ces voitures. Ça ne freine pas, ça ne freine pas. T'as beau appuyer pendant des heures, ça ne freinera pas. Non mais franchement.
cache camion. Allez, le moucheron maintenant, vas-y. Scrognogneux. Allez, on va y arriver. Courage. Parce que après cette course là il y en a pas. Mais ouais, c'est pas fini hein. Cette poubelle qui tourne pas et qui freine pas. Ah, c'est dommage franchement. Je sais bien que c'est pas un angle de braquage d'une Twingo, d'accord. Faut pas exagérer là. Bon, on va regarder si j'ai mis les freins. Si j'ai mis les freins, je m'énerve. Non,
c'est pas possible. C'est pas possible, peut pas y avoir les freins course là. Le truc qui freine pas. Je sais pas moi. It's not possible. Please. Acheter amélioration. Dis-moi pas qu'il y a les freins déjà. Freins. Oh ta mère. Mais elle freine pas. Attends, je peux pas mettre un truc qui m'aide la tenue de route. Ça fait perdre de l'accélération, même pas. Pas du tout en plus. Et c'est quoi la différence en fait? L'abaissement, fournit un gain de performance moyen. Ouais, tu parles. Ça change rien du tout. C'est juste ça abaisse le cul de la bagnole. Enfin, ça abaisse la hauteur de caisse. Ici, il n'y a rien qui améliore réellement la tenue de route. Hein. Il n'y a pas. Le truc, il reste à 4.0, il bouge pas. Il n'y a rien. Hein. Ah si. Mais voilà, il faut faire maigrir la voiture. C'est ridicule. Aïe aïe aïe. Terrible. Terrible. Ah d'accord, parce que moi je croyais que quand tu... D'accord, c'est pas grave, c'est pas automatique. Bon bah tant pis, c'est pas automatique. Ben oui, continue à serrer en cours, crétin, oui. Allez, Suzuka, bah tant pis, on fera sans frein. Voilà, je sais pas. Ouais, je sais pas où ils sont tes freins. Hein. Moi j'ai rien remarqué. Terrible, j'adore, t'as plein de trucs pour la tenue de route, il y a que faire maigrir la voiture qui faut augmenter la stat de tenue de route. Yes, merci Captain Obvious. Le problème c'est que si je fais ça, je passe en catégorie A, donc ça marche pas. Pas au virage, là-bas, là il n'y est pas non plus, c'est bizarre quand même.
attendez, parce que... Qu'est-ce qu'il dit ? Si. Alors, le canage... Ridicule ! Putain de saloperie, tu vas apprendre à freiner un jour ? C'est comme on peut. Hein. Sur le jeu, oui. Oui. Évidemment. Thank you.
Eh ben, ce fut assez folklorique, les enfants. Voilà. Eh ben, vas-y donc. Voilà. Bon, on continue pas la série tout de suite, on fera ça. Ben, je sais pas quand d'ailleurs, et ben voilà. Hein, ça va être un peu la pause forcée technique vacances du Fort Chaleur. Du coup, ben, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs VOD, comme ça au moins on sera tranquille avec ça. Au moins, ben, y aura de quoi mettre en attendant, évidemment, que ça se calme un petit peu. Donc, je vous préviendrai, évidemment, c'est normal. Alors, avant de se quitter comme ça, quand même, on va regarder un petit peu vite fait le truc. On en est à combien? Parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs aujourd'hui. Eh, 80% quand même. Hein, ben, je crois qu'on a fait nos 3% habituels. Alors, on était à 76 ou 77. Comme d'hab. Ok. Très bien, très bien. Allez, on va se mettre en intro cam. Voilà, comme ça, après, hop, je m'occupe de la console. Du coup, voilà. Alors... qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait ça exprès, évidemment, comme ça au moins il y aura du contenu pendant un moment. Parce que, bah, comme je dis, il va y avoir des fortes chaleurs par chez moi, même pour tout le monde, je pense. Ça dépendra les endroits, ça sera plus ou moins fort. Et du coup, bah, il fera beaucoup trop chaud pour stream, mais vraiment beaucoup trop. Donc impossible. Du coup, bah, c'est un peu comme des vacances forcées, mais au moins... pour la chaîne Let's Play, il y a de quoi faire pour les prochaines semaines. Là, hier, j'ai fait un stream tout neuf. Donc, bon, comme il fait 3 heures, on peut considérer que 2-3 semaines, voilà, avec ça. Comme ça, vous avez le temps de regarder tranquille. Après, ben, on verra. On essaiera de trouver un créneau. Si, par exemple, il y a un jour où il pleut bien, il fait pas chaud du tout, on en profitera, justement. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Justement, pour ça, ben, c'est... là, on en vient à la partie importante. N'hésitez surtout pas à venir sur les réseaux. Twitter, Discord, c'est très important. Même dans les commentaires YouTube. YouTube, très important aussi pour les, bah, les VOD, tout ça. Et si vous avez des questions, des machins, n'hésitez pas. Parlez, jouez, tout ça. N'hésitez pas. Enfin, alors, jouez, ça sera peut-être le... et je dis bien, peut-être le soir, s'il fait pas trop chaud. Voilà. Vraiment. Mais bon, on verra, évidemment. N'hésitez pas à la tirelire, évidemment, ça peut aider. Par exemple, du matos, genre... un jour, ça serait sympa d'avoir un matos pour rafraîchir la pièce, vraiment. Comme ça, au moins, il n'y aurait plus besoin de sauter plein de jours comme ça, sans rien. Voilà. Enfin, bon. On verra un jour, peut-être. Voilà, voilà. Ben, merci quand même pour aujourd'hui. Merci d'être venu, c'était très sympa. Portez-vous bien, prenez soin de vous, évidemment. Ce week-end, bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Puis bah, là, demain, il y a la France qui joue et tout. Il y a plein de choses à faire. Vous aurez les VOD au compte-goutte et tout ça. Tranquillement. Voilà, bah, merci pour aujourd'hui. Vraiment, c'était sympa. Du coup, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. Franchement, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Non, franchement, c'était bizarre quand même aujourd'hui. Là. Bah, il y a trois trucs dans ce jeu. C'est-à-dire que t'as les bonnes voitures. Il y en a un. Hein. T'as les bonnes voitures et t'as les voitures qui ont un problème. Alors les voitures avec les freins ou les voitures qui ont freins et la direction d'un camion. Ça aide pas vraiment. Bah enfin, c'est pas grave. Après, c'est un vieux jeu, évidemment. On est d'accord, on va pas le refaire. Mais c'est pour vous dire. Voilà, c'est juste pour vous dire que en se mettant à l'époque, on vient d'avoir ce jeu-là. Bah, il y a ces problèmes-là, tu te dis quand même, bon, c'est mieux que le premier, évidemment, c'est indéniable, faut pas abuser. Mais... tu te dis à ce moment-là, je pense les gens qui ont beaucoup joué au jeu, pas les gens qui ont très peu joué, ils ont dit, oh, bah, c'est sympa, mais voilà, ils ont pu retoucher après. Vraiment, les gens qui ont fini le jeu à 100%, vont dire quand même, ah, ça et ça, et j'espère que le 3... bon, nous, on fera ça un jour, parce que quand même, on va changer un peu de jeu quand on aura fini Forza. Un jour, peut-être. 4 km le jeu. Hein. Franchement, c'est le jeu marathon. Non, voilà. Franchement, on verra tranquillement. Du coup, ben, n'hésitez quand même pas à venir follow si vous débarquez. Vous serez remercié, peut-être même sur Twitter, machin, comme ça. N'hésitez pas. Hein. Ou au prochain stream quand on pourra en refaire.
Évidemment. Du coup, bah, bonne soirée à vous. Ce soir, il y a foot aussi. Alors, je sais pas, ça dépend si les rencontres de soir vous donnent envie, évidemment. Du coup, bah, nous, on se retrouve bientôt. Tranquille. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao tout le monde.